fait la vidéo des avancées de la semaine. Donc, j'ai pas trop avancé parce que cette semaine c'était encore galère. Sur celle-là, j'ai fait une petite case là. J'ai vraiment du mal avec le diamond painting depuis quelques semaines là. Franchement, c'est très compliqué pour moi. Donc, je vais la poser derrière là. Hop. Sur ma toile mystère, j'en ai fait 3 au lieu de 4. Voilà, j'ai fait que ça. 3 au lieu de 4, je suis à 7. 7 au lieu de 8 du coup, et j'ai vraiment du mal. Alors, monsieur là, va vous mettre tout de suite la photo de Lily Diamond Painting, qui le fait en duo avec moi. Elle a réussi, elle a fait ses 8 cases, donc franchement top. Elle l'a eu il y a... Elle a reçu, je crois que c'est vendredi. Vendredi, elle a réussi à me rattraper et faire ses 8 cases. Moi, il m'en manque une. Donc, je vais essayer de la faire tout à l'heure en début d'après-midi pour y envoyer la photo. Mais j'ai envoyé avec les 7 cases au lieu de 8. Et dans le défi avec Sandrine, ma toile carnaval. Voilà, je viens de finir à l'instant. La case qui est là, je viens de la finir à l'instant. À l'instant, pareil, il fallait faire 3 cases. Mais du coup, je suis à moitié du chemin hein, parce que... Là on voit bien comme ça que c'est moitié du chemin. Franchement j'ai beaucoup de mal à me poser pour faire du diamond painting. Donc voilà pour l'étoile. Et du coup j'ai reçu un petit colis ce matin et je vais l'ouvrir dans la vidéo là. Comme ça je serai vite en train de faire une vidéo. Allez, qu'est-ce que c'est? Vous avez 5 secondes pour deviner. J'ouvre. Alors le livreur c'était la poste là. Il m'avait foutu ça en travers dans ma boîte aux lettres. J'ai miséré pour la sortir. Et après, il faut que je regarde sur mon téléphone. Ah mince, je ne l'ai pas à côté de moi. Ouais, bah si, je me lèverai pour aller chercher. Puis il n'est pas à hauteur où ma fille elle peut l'attraper. Sinon, j'aurais demandé à la petite de me le rapporter. Alors, je viens de percer une bulle. Ça. On a entendu un pshhh. Il faut que je me dépêche parce que je vois que ma batterie elle est dans le bout. Donc hop, après avoir enlevé le sac poubelle, je vais vous décaler mon téléphone. Hop là, vous avez mis mes fesses, je parie. Lol, c'est pas grave. Alors, maintenant, est-ce que vous en voyez un peu plus? Vous en savez un peu plus, non? En tout cas, avant de vous dire ce que c'est et vous montrer ce que c'est, l'emballage est super. Il y a des bulles, il y a des espèces de mousse. Franchement, top. C'est quelque chose qui se pose à plat. Tu me laisses mon téléphone, ma fille, s'il te plaît. Elle est où l'ouverture? Je voudrais pas percer les bulles. Bah, allez, on tranche dans le vif du sujet des bulles. Ah, il y a des bulles. Et hop, je l'ai ouvert à l'envers comme par hasard. Ça aurait pas pu être autrement. 1, 2, 3. Donc franchement, il était bien protégé. Hein. Il y avait des trucs sur les côtés, il y en avait partout. C'est une boîte pour faire le diamond painting. Enfin, pour ranger, hein. C'est des boîtes de rangement. Il y en a qui s'en servent pour le diamond painting. Il y en a peut-être qui peuvent s'en servir pour... d'autres choses. Ah bah justement c'est Lily, elle va faire sa vidéo dans l'après-midi. D'accord, bon bah du coup j'ai peut-être le temps de faire ma case pour lui renvoyer la photo avec la case complète. Donc le plateau il est protégé comme ça. Et alors dedans, alors j'espère que ça va pas tomber. Dedans c'est comme ça. Alors je vais vous incliner, ça sera plus simple. Je vais vous mettre sur le plateau. Donc c'est ça va être mon rangement diamond painting pour mes futures toiles. Donc là vous avez, alors je l'ai vu sur la chaîne de Lorraine principalement. Alors Lorraine c'est Diamant et Strass qui s'en sert tout le temps. Et il y a peut-être d'autres chaînes mais je sais pas. Donc vous avez trois grands compartiments. Alors vous avez plusieurs modèles, soit avec tout plein de toutes petites cases comme ça, avec plus de petites cases comme ça, moins de moyennes, des petites moyennes. Il y a différents formats.
Et du coup, moi j'ai pris avec 3 grandes comme ça. Donc moi là j'ai 3 grandes. Des moyennes comme ça. Des moyennes comme ça, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. 10 comme ça. J'en ai 10 comme ça. Donc là, on se met sur le côté et hop, ça se fait comme ça. 10 comme ça. Des un tout petit peu plus petites. 16, j'en ai des comme ça. On va tester parce que j'avais plus de valisette de toute façon, donc il fallait que je me rachète du rangement. Et des toutes petites comme ça. Donc ça peut être bien pour des couleurs des fois où il n'y a qu'un sachet. Ça peut être pratique. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 13. 13, donc voilà. Je pense que là, il y a quoi faire. Je vais pouvoir ranger un DP dedans. Bah, le prochain DP que je ferai, je vais le mettre dedans pour voir ce que ça donne. Pour voir si ça me plaît ou pas. Bah, j'espère bien. Donc voilà pour ma petite vidéo des avancées de la semaine. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Non, oh, 2 minutes, trop pressée la fille, j'ai zappé la moitié des choses. Franchement en ce moment, moi et les vidéos et moi et mon cerveau, on n'est pas accordé. Alors du coup, excusez-moi, on reprend. Oh là là, et je me fatigue toute seule, je vous dis. Donc j'ai commandé le 5 mars. Et je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 15 mars. Donc 10 jours. Et je l'ai payé 20,03 €. En 10 jours, je l'ai payé 20,03 €. Et si je peux aller sur le site, je voudrais montrer. Bah, il y a même des promos. Il y a même des promos en ce moment, vous voyez. Après promo, 19,85 €. Donc là, vous l'avez en comme ça. Vous avez pilulier classique. Là, en 50 pièces, donc c'est des différents... Ce que je disais, il y en a moins de certains et plus d'autres. Et carrément, 78 pièces où vous avez que les toutes petites boîtes. Voilà, et le vendeur, pour vous montrer, c'est... Parce que du coup, je suis satisfaite d'avoir reçu en 10 jours. C'est lui. Ce vendeur-là. C'est vrai que j'ai payé 20 €, mais j'ai reçu en 10 jours. Donc après, c'est un peu le prix des valises, hein, quand vous voulez une valise. Donc du coup, là, c'est un... combien de compartiments que j'ai? C'est un 42 compartiments, je pense que c'est à peu près le prix, quoi. Donc voilà, je vous fais de gros 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 bisous à tous et je crois en plus qu'ils s'empilent les uns sur les autres si vous en avez plusieurs. Donc à voir dans les prochains mois si je vais pas racheter d'autres pour faire directement des empilades. Je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!